La libération du président Gbagbo, moi personnellement, je suis content. Je suis content et en même temps triste aussi. Parce que, c'est vrai, les Ivoiriens, nous nous sommes battus pendant plus de 10 ans pour que la vérité triomphe. Finalement, la vérité a triomphé. Mais je suis un peu triste par rapport au temps que ce monsieur a passé dans les différentes prisons là. Alors que ceux qui l'ont amené là-bas savaient qu'il était innocent dès le départ. Il avait 65 ans quand ça s'est produit. Aujourd'hui, à mai prochain, il aura 75 ans. Il s'est dit que 10 ans dans la vie de quelqu'un de son âge, c'est trop. Et c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui. C'est vrai, il est libéré. Les Ivoiriens sont contents, nous sommes contents, mais je voulais vraiment mettre la main, enfin l'accent sur cette partie de son histoire. C'est-à-dire que 10 ans, hein, quelqu'un qui a 65 ans, qui passe 10 ans en prison pour rien, ça fait mal. Ça fait mal parce que. Bon, à son âge, là, à 65 ans déjà, nous tous, on commence à avoir des courbatures, enfin, des problèmes de santé. Mais lui, il est resté entre quatre murs pendant 10 ans. Ouais, et pendant qu'il était là-bas, il a perdu des gens, des êtres qui lui étaient très chers. Et on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de son mind, comme on dit. Au niveau de son esprit, et puis au niveau même, sur le plan de santé, mais on ne sait pas ce qu'il a enduré jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait, c'est le côté triste de la libération que je voulais mettre en exergue. Sinon, nous sommes contents, nous nous préparons quand même, c'est notre victoire, c'est la victoire de tous les Ivoiriens qui se sont, pendant 10 ans, qui se sont battus. On ne va pas faire la fine bouche là-dessus, on va célébrer cette libération, mais. Avant de la célébrer, il faut vraiment relever ce qui fait mal dans toute cette détention-là. Voilà. Et mon deuxième propos, concerne le parti, le RPI. Je pense qu'avec la sortie du chef, avec sa libération totale, il aura la possibilité de parler, d'intervenir comme il veut. Et je pense que ça va nous permettre de régler les problèmes que nous avons au parti. Voilà. Nous allons régler les problèmes au parti et puis nous allons nous adresser, parce que lui, il doit être un autre cheval de bataille pour qu'on aille à la réconciliation à la Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que les Ivoiriens se réconcilient et il faut qu'ils se parlent. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été frustrés, qui ont été meurtris avec ce qui s'est passé en 2011. Et aujourd'hui, nous voyons pratiquement la fin de ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a beaucoup qui vont continuer à porter les séquelles de ce qui s'est passé, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des Ivoiriens, il faut qu'on parle, on se parle entre nous, il faut qu'on aille à la réconciliation. La réconciliation, là, on ne peut pas y échapper, parce que si on ne peut pas se réconcilier, ça veut dire que notre nation va disparaître. Elle va être morcelée et elle va disparaître. Bon, d'abord, c'est pas un Africain qui a rendu la justice. C'est la CPI qui a rendu la justice. Parce que, il a été acquitté de toutes les charges qui lui étaient reprochées par Fatou Ben Souda en première instance. Et les gens ont dit pour insuffisante criade de preuves. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le problème ne devait même plus se passer. Tu vois, non? Et se poser plus tôt. Mais les gens ont voulu jouer les prolongations, comme on dit, en le maintenant avec d'autres restrictions, après son acquittement en 2019. Mais pour des gens qui disent la loi, qui savent, qui connaissent le milieu juridique, le milieu judiciaire, ou bien le milieu juridique, comme si je peux le dire ainsi, savaient très bien que l'appel Fatou Ben Souda n'était pas un appel sur le plan juridique, mais c'était juste une prolongation politique pour faire durer les choses.
et empêcher le président de Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire avant les élections. C'était tout le schéma qui regroupait toutes ces restrictions et puis la paix de Fatou Ben Souda. Les élections étant terminées en Côte d'Ivoire, entre guillemets, donc il n'y avait plus de raison qu'on le maintienne là-bas. Sinon, depuis 2019, le monsieur, on devait le laisser rentrer chez lui. Parce que les juges de la chambre de première instance ont dit qu'il n'y avait pas de preuves et que les quelques preuves qu'ils avaient là étaient énormément insuffisantes pour condamner quelqu'un. Donc, à ce niveau-là, le débat était déjà terminé. Mais Fatou Ben Souda, bon, elle a voulu jouer à l'importante. Hein, voilà. Parce que c'est le blanc, c'est ce qu'il fait toujours. Hein. Il utilise toujours des nègres de maison pour faire du mal à d'autres nègres. Donc, c'était la partie que a joué Fatou Ben Souda. Donc, à son niveau-là, moi, j'ai pas de problème. Hein, elle ne maîtrisait pas bien le dossier ivoirien. Et puis, elle s'est jetée là-dedans parce que, bon, elle voulait se faire un nom, ou bien elle voulait se faire de l'argent. Donc, c'est tout ce que je peux dire à son niveau. À ce qui concerne le juge de la chambre d'appel, le Nigérian, il n'avait pas d'autre choix que de faire libérer de rejeter l'appel de Fatou Ben Souda parce qu'il n'y avait rien, de juridique dans cet appel. Voilà.